Hello! Salut Olivier, tu m'entends? Allô Fab, ça va? Bonjour Olivier, comment ça va? Comment ça se passe pour l'instant? Pour l'instant, je travaille sur mon nouveau long métrage et on développe une série pour une série télé. Je suis prêt? Vous n'êtes pas action? Des vieux, hé! Oh! On va parler de Lucky, forcément, parce que Lucky, ton dernier film, était en salle il y a quelques mois encore, avant le confinement, avant le premier confinement. Et là, maintenant, on peut le voir sur BTV. Mais disons que le film, il est sorti le 26 février, et 15 jours après, les cinémas étaient fermés. Après, c'est le film belge qui est resté le plus longtemps à l'affiche de tous les temps, parce que l'affiche est restée à l'UGC jusqu'au mois de juillet. Dis donc, hey, tu sais quoi? Toi, t'as intérêt à assurer. Hein. Parce que sinon, je te revends au Mexicain du coin pour qu'il te transforme en tacos. Je vais l'appeler Lucky. C'est bien, c'est original. Ton casting, il est parfait. Vraiment, il y a des personnages. Kim Cody, il est incroyable dans le film. Michael Youn est vraiment étonnant. Alban Ivanov, il est formidable. Mais comment tu les diriges, les comédiens? Tu les pousses, tu les... Mais je répète avec chacun avant. Et comme ça, je dois pas le faire sur le film, sur le tournage. Donc Michael Youn, je lui ai dit par exemple, je dis Michael, je veux pas de caricature, je veux vraiment le jeu le plus simple possible. À l'anglais, soit tout dans la finesse. Alban, j'avais dit, voilà, ils sont cons, mais ils sont vraiment gentils, ces deux-là, tu vois. Et... Ça veut dire que tu travailles beaucoup, beaucoup en amont, que tout était préparé, et une fois que tu tournes, enfin, tu déroules, quoi. C'est extrêmement rare que sur le tournage, je change quelque chose. C'est Besson qui m'a appris ça. Il m'a dit, faire un film, c'est comme monter dans le Thalys, quoi. Tu sais pas sortir entre Bruxelles et Paris ou Paris-Bruxelles. Et donc, si tout est bien préparé, bah ça roule. Et voilà, fin du game. Oh, me le lève bien, là. C'est elle, la grosse dilose de shit, là, avec sa vieille tête. Ta gueule, toi, ta gueule! On va revenir un peu en arrière avec Dick Connick. Dick Connick, qui est aujourd'hui un film transgénérationnel. Hein. T'as réussi ça, mon vieux. Bravo, chapeau bas. Là, je n'en peux plus. Je suis en bout du rouleau. J'ai envie de rentrer, me foutre ma servante et terminer bonsoir. Il y a des répliques, des personnages qui sont vraiment emblématiques. Semble bien que c'était là. Avec ton vieux accent de chanteur de rap, là. Hip-hop. Et cette manie que tu as de clasher partout comme en Lara. C'est excessivement énervant. Par contre, le film a été un échec en salle, Olivier. En fait, j'ai travaillé 6 mois tout seul. Puis j'ai rencontré un anniversaire, Olivier Legrain, qui faisait un speech qui m'a bien fait rigoler. Donc, on a décidé de se lancer dans ce projet. Et donc, j'ai fait le casting du film. Cotillard, j'avais fait un court-métrage quand elle avait 14 ans ou 15 ans, qui s'appelait Snuff Movie avec elle. Et Marion, elle était un peu pogne. Elle rêvait de faire du cinéma déjà à cet âge-là. Arrête, Sam, tu m'avais promis. On s'est lancé dans ce projet. Donc, c'était impossible à financer. Jusqu'au jour où il y a José Garcia qui m'appelle, qui me fait, il y a le gros avec ses cheveux jaunes qui va t'appeler. Et je fais qui? Il me fait bah, Besson. Et donc c'est Luc qui m'a donné l'argent pour le faire. Je l'ai produit avec lui. Le film sort, il y a 10 bandes annonces en France. Et il sort à un très mauvais moment. C'est la Coupe du Monde de foot, où la France va en finale jusqu'au coup de boule de Zidane. Et donc, il y a les journaux télévisés de TF1 et tout, c'est consacré uniquement 100% foot. Donc là, en fait, ça n'a pas marché parce que tu n'as plus accès aux médias. Y a toutes les émissions de télé sont déjà finies parce que c'est l'été. Et donc voilà. Et après, c'est grâce à Internet, le bouche à oreille et les premiers passages sur les Canal+, Belgique-France, qui a fait que... Mais qu'est-ce que tu fous ici, ma fille? Qu'est-ce que tu fous? Tu fais une séance de photo de charme et tu veux rien retirer du tout? M'excuse, hein, mais je pense pas t'avoir obligé à venir ici, hein. Tu es quand même venu de ton propre gré. Donc tu arrives ici et tu fais ta mijaurée. C'est très bien, mais on en reste là, donc c'est terminé. Ça va très vite, hein. Pas commencer à jouer avec mes couilles, hein. Il faut reconnaître, Olivier, que depuis le début... Tu as un sens des acteurs qui est assez incroyable. Tu fais le film Parabellum avec José Garcia, à l'époque il est pas connu. Non, c'est surtout Cléo. Le deuxième court-métrage qui s'appelait Cléo avec José qui fait un curé. C'est vrai qu'en fait, dans tous ces projets, j'ai toujours travaillé avec des gens qui n'étaient pas connus ou peu connus. José, il était chauffeur de salle à Nulle part ailleurs quand j'ai rencontré. Donc c'était un de ses premiers films. Cotillard aussi. Foresti, elle était graphiste. Elle commençait à remplir le petit point virgule, 40 places. Tu m'as l'air honnête, j'aime bien ta gueule. T'as de la chance, je vais te le faire ton mot.
Mais attention, ça marche que pour une fois, hein. Pas pour tous les jours. Merci. Bon alors, je sous-signais. Vous signez et eux. Féminin, pluriel. Ça, si t'irais à l'école, tu le saurais, par exemple. Quelques années plus tard, t'enchaînes avec un film complètement différent. Mais ce qui se passe, c'est qu'à la fin du montage de Dickeneck, Luc m'invite dans son bureau et me dit, voilà, est-ce que t'as pas envie de faire un film sur les banlieues, sur le trafic de drogue? Et je lui réponds cette phrase, je lui dis, j'avoue que faire un film sur des mecs qui crachent et qui se traitent de fils de pute, ça m'intéresse pas. Il me dit, mais c'est pas ça, c'est vraiment tout le réseau. Et c'est écrit par un des directeurs d'Interpol, c'est co-écrit par quelqu'un qui a fait ça pendant 30 ans sans jamais se faire avoir et compagnie. Et c'est vrai que j'aimais bien l'histoire de ce flic de Roche Dizem. J'ai eu la chance d'avoir Olivier Gourmet. Jordo, tu peux pas me laisser aux écoutes, c'est pas mon truc. Tu sais, mais je préfère être sur le terrain. Mais ben ça, mon pote, tu m'excuses, mais pour le langage de quartier, je peux encore me démerder, mais pour l'arabe. On trouve quelqu'un d'autre, je suis pas le seul qui parle arabe ici. Tout ce boulot que t'as fait pour devenir sous-marin. Ça serait con de risquer de faire voir ta tronche avec nous, non? Go Fast, c'est un film de commande, quand même, d'EuropaCorp. Donc, c'est clair que Roche Dizem, même si c'est un flic infiltré, il doit avoir sa main sur les revolvers comme ça, et pas sur la gâchette. Il fume pas, il se drogue pas, il baisse pas. Voilà, il fallait qu'un arabe puisse être un des meilleurs flics de France. Tu m'as de quoi, là? Again? J'ai douillé sur un bâtard de flic. Je suis sûr de t'avoir déjà vu, toi. Non, je crois pas, non. Le film fait près de 800 000 entrées, je crois, à l'époque, qui est quand même pas rien. Et là, on se dit, bon, ben, Olivier va enchaîner, va faire plein de films. Et il se trouve que t'attends presque une dizaine d'années pour faire Lucky, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé en 10 ans, lui? J'ai fait des clips à Cuba, à Chicago, à New York. C'était pour m'amuser. J'ai fait trop de pubs. Et ça, c'était pour l'argent. Comment t'en arrives à Lucky, en fait? On a fait le tour des chaînes de télé françaises, des distributeurs, et ce projet était très très bien accueilli, si tu veux. Entre autres, même aujourd'hui, quand le film est... la distribution en salle s'est arrêtée, en France, c'est Warner Bros. Qui a racheté le film. Bah ça, c'est formidable, Olivier, c'est une très bonne nouvelle. Bon, écoute, Olivier, je te remercie beaucoup pour ces quelques minutes en ta compagnie. Et je voulais juste te dire un truc, ton film, il va sortir après le confinement, avec Benoît Poulvoorde. Je sais pas. Mais je te souhaite le meilleur, en tout cas, pour ce film qui a l'air chouette, en fait. Parce que Poulvoorde, c'est vraiment l'acteur qui m'a donné envie de faire du cinéma. À mon avis, ça doit être très, très chouette de travailler avec lui. Oui, c'est fatigant aussi, mais c'est très, très chouette. En tout cas, ce qui est certain, c'est que Lucky, on peut le voir sur BTV, là. Et je te souhaite, encore une fois, Olivier, le meilleur pour la suite. Fais-nous des films plus souvent. Hein. Et puis, j'espère te voir très vite pour une bière, là, en terrasse, comme dans l'ancien monde. D'accord? Donc, il fait beau. Avec plaisir. Bon, merci Olivier, je t'embrasse. Moi aussi. Que du bon pour toi, salut. Ciao.